entre el Instituto Francés de Chile y la Iniciativa Franco-Chilena de Altos Estudios, porque es un momento para hablar de un movimiento democrático que surgió en el siglo XIX y que nos permite reflexionar sobre los movimientos actuales y en particular sobre las transformaciones que vive Chile el día de hoy en la época actual. Margarita, te dejo la palabra para presentar a nuestros invitados del día. Gracias, Yuli. Buenos días a todas, a todas quienes nos siguen por las redes. Y un saludo muy particular a Cantán de Lormos y a Sergio Bres, profesores de historia ambos, historiadores, y que hoy día tenemos el agrado de que compartan con nosotros sus ideas y sus propuestas sobre este acontecimiento que hasta hoy, como decía Yuli, marca las sociedades contemporáneas. Cantán de Lormos es profesor de historia contemporánea en la Universidad de París y cofundador de la revista Sensibilité, Histoire Critique et Sciences Sociales. Trabaja sobre la historia social y cultural del orden y del desorden en el siglo XIX a través de dos ejes: las relaciones policía-sociedad en las grandes capitales occidentales y coloniales, por un lado, y en el momento de la comuna, por otro. Es autor de Policía dans la ville, la construcción de un ordre public à Paris, entre otras publicaciones. Y la más reciente son Analyse contextuelle et futur con Non advenir, Juan d'Histoire, en el año 2019, si no me equivoco. Y Sergio Bres Toso, un entrañable compañero, hay un retorno ahí que no es muy... Y se ha desempeñado también como director del Museo Histórico Benjamín Vicuña Mackenna y desde 2004 imparte clases en la Universidad de Chile en el Departamento de Ciencias Históricas y actualmente dirige la revista Cuadernos de Historia, editada en la Universidad de Chile. Su área de interés es el movimiento obrero, la cuestión social y las huelgas del comienzo del siglo XX, entre otros de sus publicaciones más recientes. Podemos hablar de la historia del comunismo en Chile, la era de Recabarren, desde el 2011 y el 2016, el Partido Democrático, Auge y Ocaso, una organización política popular, en el año 2016 y el 19, tiene historiografía, memoria, ciudadanía y política, reflexiones desde el oficio del historiador. No sé si tiene alguna más reciente, porque sé si está publicando siempre, y además interviene en la política nacional permanentemente desde su óptica de historiador. Tenemos dos grandes historiadores entonces con quienes vamos hoy día a compartir sus impresiones sobre la Comuna de París. Muchas gracias. Ahora la operativa es que pasamos la conferencia de Cantán y después volvemos sobre el diálogo que van a tener Sergio y Cantán en directo, ¿no es cierto? Sí, no sé si Sergio y Cantán quieren saludar y decir una palabra antes de que empecemos la conferencia. Cantán, tú d'abord. Oui, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous remercier surtout de votre invitation et cette occasion d'échanger avec le professeur Grèce. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous et j'ai hâte des échanges à venir. Merci vraiment beaucoup de votre invitation. Bueno, en mi caso, quiero agradecer a las instituciones organizadoras. Yo creo que vale la pena mencionarlo, la Embajada de Francia en Chile, el Instituto Francés y la Iniciativa Franco-Chilena de Altos Estudios de la Universidad de Chile, o ligada a la Universidad de Chile. Reitero, les agradezco por invitarme a este diálogo sobre la base de una exposición tan erudita y sugerente como la que vamos a ver y a escuchar a continuación del profesor invitado desde Francia, nuestro amigo Cantán. Muchas gracias.
C'est une question qui peut se poser, hein, parce qu'on a l'impression, au fond, que tout a été dit sur la commune. C'est un événement très court qui a donné lieu à des centaines et des centaines de travaux. En 2006, un historien qui s'appelle Robert Lekilec avait réuni un peu tous les titres dans un livre. Et la simple somme des titres, hein, faisait un livre de 600 pages, 5000 entrées. Dedans, il y a des romans, des mémoires, etc., mais aussi beaucoup, beaucoup de travaux de recherche. Et des travaux en français, en anglais, en russe, en chinois, etc. Donc on a cette impression, au fond, d'un événement qui a été extrêmement analysé et à une échelle déjà globale. Alors, au fond, ce qui est intéressant, c'est que à aucun moment, les questions posées sur la commune ne se sont taries. Elles se renouvellent en permanence et elles l'ont été à nouveau avec la résurgence de la référence à la commune dans de nombreuses luttes sociales et politiques en France et dans le monde. Alors pour comprendre un peu la situation, il faut faire un petit peu d'histoire de l'histoire, ce qu'on appelle l'historiographie. Le problème qui s'est posé dès la fin de l'événement, je ne reviens pas sur l'événement qui a déjà été présenté dans d'autres vidéos, c'est cette conjonction entre d'un côté une expérience extrêmement intense, de l'autre une durée très faible, et des réalisations effectives qui paraissaient assez minces. Donc il y a une vraie question, mais c'est dès la fin de la commune. Hein, au fond, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet événement si court peut avoir une telle importance? Donc, comme il y a eu une question, eh ben, des réponses ont été apportées. Et ces réponses, hein, font que la commune est un des événements qui a été analysé par la plupart des grands courants de pensée politique ou méthodologique du XXe siècle. Donc c'est un véritable monument intellectuel. Quelles sont ces grandes analyses? Alors évidemment, je simplifie, hein. Mais la première, c'est l'analyse marxiste ou d'inspiration marxiste. Et l'idée, au fond, là, c'est de savoir où est-ce qu'on place la commune dans l'histoire des révolutions. C'est le fameux thème entre aube et crépuscule, hein. La commune serait le crépuscule des révolutions du 19e siècle et l'aube des révolutions nouvelles, censée être plus structurée en termes d'organisation et d'idéologie. Avec en ligne de mire, évidemment, la révolution russe de 1917. Une autre analyse a été celle des anarchistes, ou plutôt libertaires, dans les années 1968, hein, autour de sociologues, de géographes. Hein, c'est un monument aussi interdisciplinaire, comme Henri Lefebvre. Et là, l'analyse, au fond, c'est de dire ce qui compte dans la commune, c'est la spontanéité révolutionnaire. Il y a aussi toute une réflexion sur la ville. Hein, au fond, c'est un mouvement de la ville contre les nouvelles formes d'emprise commerciale, d'un capitalisme naissant. Beaucoup de travaux vont un peu dans ce sens-là. Troisième ligne d'analyse, hein, cette fois c'est plutôt dans les années 80, c'est une ligne d'analyse qu'on peut qualifier de républicaine, en tout cas d'historien républicain, comme Maurice Agulon, ou dans un genre très différent, François Furet. Eux, leur problème, c'est de comprendre au fond comment interpréter le fait que s'installe à ce moment-là ce qui va être la plus longue des républiques. Et la commune, dans ce cadre-là, apparaît plutôt comme un événement qui cadre mal dans le paysage, un apax. Donc on va avoir tendance à dire que c'est symboliquement très important, mais que ça a peu d'effet. Alors vous voyez, ce qui est intéressant au fond, c'est que à chaque fois, tous ces travaux essaient de replacer la commune dans un grand récit. Et là où l'événement est déjà très intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y échappe. Ça ne correspond pas tout à fait à ça. Alors dans les années 2000, on a connu ce moment d'affaissement des grands récits. Il y a eu un flottement, hein, dans la réflexion sur la commune. Et certains, même qui étaient favorables à l'événement, hein, finissaient par se demander, au fond, si ce qui faisait l'importance de la commune, c'était pas simplement le fait qu'il y ait eu un gouvernement de la commune, et si c'est pas sa réinterprétation communiste, hein, au sein de l'URSS, qui, au fond, avait surtout, augmenté la valeur de l'événement. Sauf que, pendant ce temps-là, les travaux sur la commune ont continué, et on a eu de nouvelles connaissances. Et puis surtout, il y a eu ces résurgences dont je vous parlais tout à l'heure. À savoir, la commune, on l'a vu récupérer, réapproprier dans les mouvements Occupy, hein, à Auckland, le mouvement Occupy Auckland s'appelait Auckland Commune, au Mexique, à Oaxaca en 2006, en France évidemment, avec les Gilets jaunes, ou des mouvements comme Nuit debout, vous voyez, donc c'est des réappropriations qui sont pas uniquement nationales, hein, qui sont bien globales. Donc on voit bien que l'événement était encore vivant et donc ça appelait à avoir de nouvelles analyses. Alors, quelles sont, pour répondre à la question, hein, les nouvelles analyses possibles? Il y en a plusieurs, et vous avez entendu tous ceux qui les ont renouvelées. Moi, j'en avais mobilisé deux dans mon ouvrage qui s'appelait Commune, une traversée des mondes au XIXe siècle. C'était tout d'abord une analyse au ras du sol, c'est-à-dire qu'est-ce que les acteurs ont connu, expérimenté à l'échelle des quartiers.
au-delà des grandes mesures de l'hôtel de ville, au fond, comment ça s'est passé dans les quartiers, quel type de rapport aux politiques s'est mis en place. Et le deuxième, c'est celui dont on va parler maintenant, c'est-à-dire de faire sortir la commune de son cadre national pour l'intégrer dans des trames transnationales, impériales, globales. Alors ça, c'est des mots qui peuvent faire peur, mais si on voulait les définir rapidement avant de passer à la suite. Transnationales, c'est quand on va étudier des circulations d'hommes, d'idées, d'objets par-delà un cadre national, en s'intéressant aussi aux nouvelles polarités qui se dessinent. Impériales, c'est une étude qui intègre les colonies et les effets retours avec la métropole. Et puis on peut aussi étudier les liens entre les empires, empire français, empire britannique, c'est des approches plus transimpériales. Et globales, on dit qu'on a des approches globales à partir du moment où on étudie des phénomènes d'interdépendance d'échelle transcontinentale. C'est pas forcément la planète prise comme un tout, mais c'est des liens de très longue distance. On le verra tout à l'heure, par exemple, avec la question de la médiatisation. Voilà, ça c'est un des lieux de renouvellement de la réflexion sur la Commune de Paris. Ça, c'est une question importante, de plusieurs manières, hein. Il y a trois points qu'on peut évoquer. Tout d'abord, il y a la présence de ce qu'on appelle les combattants transnationaux, c'est-à-dire des gens qui ont combattu sur d'autres terrains, qui sont présents dans la commune et qui vont amener la mémoire de ces autres terrains dans la commune de Paris. Donc ça, c'est un premier mouvement qui est intéressant parce qu'il faut partir avec la guerre de 1870, hein. Vous savez que avant l'avènement de la commune, il y a une guerre, la chute du Second Empire. La mise en place d'une république, et puis la commune s'insère dans les déceptions, hein, qui accompagnent les débuts de cette république naissante. Mais au moment où la France devient république, au 4 septembre 1870, la guerre entre la France et la Prusse, et puis les États allemands, commence à devenir une guerre de la république contre un empire. Et on a des milliers de volontaires internationaux qui viennent combattre au nom de la république, hein, ce qu'on appelle la république universelle, pour la France. Ces volontaires, on les trouve assez facilement dans les archives, hein. C'est des Italiens, des Espagnols, on a des Grecs, des Uruguayens, des Polonais, des Américains, et ils sont réunis au sein d'un corps d'armée qui s'appelle l'armée des Vosges, qui est dirigée par un général célèbre à l'époque, qui est le général Garibaldi, hein. C'est vraiment la figure du héros républicain et romantique par excellence. Or, la plupart de ces acteurs ont combattu dans toutes les luttes sociales et politiques d'après 1848, donc la précédente révolution. Ils ont combattu pour les luttes de libération italienne dans les années 1860, pour l'insurrection polonaise en 1863. Il y a une révolution que tout le monde oublie qui est très importante, c'est la glorieuse révolution espagnole de 1868. Évidemment, la guerre civile américaine de 1860-1865. Et certains de ces volontaires, alors pas tous, mais vont rejoindre la Commune de Paris. En fait, il y a plusieurs mouvements, mais on peut simplifier. Un exemple de ces volontaires qui rejoignent la Commune de Paris, c'est quelqu'un qui s'appelle Lucien Combat, officier de télégraphe sarde, qui a combattu avec les Garibaldiens pour les luttes de libération italienne. On le retrouve ensuite au Tyrol en 1866, puis en Crète, où il y a aussi des mouvements libéraux, politiques et républicains très importants. On le retrouve également avec les Aragonais en 1869, donc dans le cadre de la glorieuse révolution espagnole. Il est à Paris au moment du déclenchement de la guerre, et puis il va s'investir dans la commune. Il va être d'abord directeur des télégraphes, il va dire qu'il préfère combattre, c'est d'abord un combattant, et il deviendra colonel de la 6e Légion, hein, donc à la tête de cette 6e Légion. Il y en a plein comme ça. Le plus connu, c'est sans doute quelqu'un qui s'appelle Yaroslav Dombrovski, qui est né en 1837. Lui, c'est un Polonais, hein, qui a été formé à l'école de Saint-Pétersbourg, et qui a pris fait et cause pour l'insurrection polonaise. Il a été arrêté, il s'enfuit, il est allé en Allemagne, enfin dans l'espace allemand, puis il arrive en France, il se rapproche de l'Association internationale des travailleurs, et au moment de la guerre de 1870, il part à Lyon, donc il combat à Lyon, et on le trouve également à Marseille. Il revient au moment de la Commune, et il sera commandant en chef de la place de la Commune. Donc, vous voyez, on a plein de figures comme ça. En réalité, si on fait des décomptes, ils sont pas si nombreux par rapport à la masse des gardes nationaux qui sont effectivement des Parisiens. Mais comme ils savent combattre, ils sont souvent mis à des postes de commandement, donc ils sont très visibles et ils vont incarner, hein, cette dimension internationale de la commune. Donc, ils sont peu nombreux, mais à des postes clés avec une très grande visibilité et ils vont incarner au fond cette idée que la commune, c'est aussi une lutte pour la République universelle. Ils vont faire concrètement. Ça, c'est le premier point.
Le deuxième également, je l'ai un petit peu évoqué en parlant de Yaroslav Dombrovski, ce sont des organisations qui vont aussi assurer la mise en connexion entre la commune et les autres luttes républicaines, socialistes de l'époque. La plus connue, parce qu'elle a donné lieu à de nombreux débats, c'est l'Association internationale des travailleurs, ou Première internationale, l'AIT, à la tête duquel on va trouver notamment Karl Marx. Alors je dis c'est très connu, parce que pendant très longtemps, on a associé la commune à l'AIT comme si elle en était l'émanation, et puis les travaux, hein, ont montré que les liens étaient réels, mais beaucoup plus complexes. Alors ils sont plus complexes, pourquoi? Parce que par exemple, dans un premier temps, l'AIT ne sait pas trop comment réagir vis-à-vis de la Commune de Paris, qu'elle trouve un peu trop française, un peu trop brouillonne. Donc Marx, dans ses écrits, dit très vite hein, que pour lui, les principes que défend la Commune sont éternels, mais il y a un petit temps d'attente au fond avant la prise de position. Mais là où les choses sont intéressantes, c'est que ce n'est pas le cas pour les sections nationales. Hein, l'AIT, on a un comité central à Londres, et puis on a des sections nationales dans toute l'Europe, et puis aussi un petit peu aux États-Unis. Et ces sections nationales, elles vont beaucoup plus vite se revendiquer ou défendre la commune. Donc des manifestations de soutien sont organisées à Londres ou encore à Genève. Et là, localement, souvent, elles vont rejoindre d'autres associations. On a toute une marqueterie là qui se met en place. Donc on va retrouver des républicains anglais qui vont aussi soutenir la commune, la Société démocratique de Florence. Parfois, si vous allez à New York, la section de langue anglaise de l'AIT organise un meeting de sympathie qui va associer la commune de Paris à une lutte en cours des mineurs qui sont lockoutés en Pennsylvanie. Donc de cette façon-là, la commune se retrouve comme un espèce d'étendard à toute une série de luttes socialistes, fédéralistes, républicaines, ouvrières, mutualistes, qui s'inscrivent aussi dans tout ce courant post-1848. Donc cette espèce de mise en connexion. Puis le troisième point qu'on oublie, parce que l'idée qu'on a souvent, c'est que la commune, si on la compare à 1830, donc aux précédentes révolutions, ou à 1848, on n'a pas de vague européenne. Hein, il y a juste la commune. Donc on dit que c'est un événement isolé. En réalité, on a des communes. Il y a la commune de Paris, ce qu'on appelle les communes de province. Et ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi des échos dans les colonies. Donc il y a une dimension impériale de la commune. Donc il y a deux exemples qu'on peut prendre. Le premier, il n'est pas directement lié à la commune, mais il est important parce qu'il est lié au mouvement républicain qui se met en place en 1870, en septembre 1870. C'est un mouvement qui a lieu en Martinique, très connu en Martinique, qu'on appelle l'insurrection du Sud. Hein, en septembre 1870, on a une très grande insurrection qui va réunir près d'un millier d'insurgés. 35 habitations sont incendiées. C'est le plus grand mouvement social et politique depuis 1848. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que les archives du procès ont été conservées. Donc, on recueille quelques paroles de ces insurgés, et eux tracent une généalogie révolutionnaire, hein, où ils s'associent à 1848, donc le moment où l'esclavage a été aboli. Puis, ils vont aussi faire référence à la première République noire de Haïti en 1804. Donc, on a des trajectoires, comme ça, des généalogies, hein, historiques qui sont reconstruites. Donc, on les voit comme ça, pluriel, en fait, hein, au moment de cet événement-là. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien un courant républicain, mais qui, par république, va entendre une revendication d'égalité et d'émancipation sociale et raciale. Donc, ça rappelle au fond que la commune prend place dans un mouvement républicain qui n'est pas réductible uniquement à un 4 septembre 1870, c'est-à-dire le passage du Second Empire à la République. Le mot république est chargé de sens beaucoup plus fort. Donc là, on est un peu loin du territoire métropolitain, mais ça montre hein, l'ampleur révolutionnaire dont le mot est encore chargé. Le deuxième qui est beaucoup plus lié à la commune, c'est la commune d'Alger, qui est là encore, qui a été longtemps peu étudiée ou dont on s'est beaucoup moqué. On parle de commune d'opérette. En réalité, c'est un mouvement très important qui dure quand même plusieurs mois, donc plus long que qui débute en septembre 1870. Beaucoup de communes de province débutent en septembre et elles sont relancées après avec la commune de Paris, qui dure plusieurs mois. Et c'est un mouvement qui est emmené par des anciens déportés, donc des gens qui avaient combattu en 1848, puis contre le coup d'État en 1851, et qu'on a envoyés en guise de punition en Algérie. Donc c'est d'anciens déportés de 48 et de 51 qui vont lancer cette insurrection. Ils vont mobiliser des idéaux qui sont ceux de la Révolution française, de 1792, 1793. Et puis quand la Commune de Paris va se déclencher, ils vont très vite déclarer leur adhésion à la Commune. Ils envoient une lettre en fait d'adhésion qui est reproduite dans le journal officiel de la Commune de Paris. Alors, le lien est très fort, puisque une des figures, on peut en parler de chef, de cette commune d'Alger, qui en fait connaît plusieurs moments, évidemment, qui s'appelle Alexandre Lambert, il se trouve en France, enfin sur le territoire métropolitain à ce moment-là,
Il va être intégré dans la Commune de Paris, il va même être délégué auprès de l'Algérie. Donc il y a une dimension coloniale en fait hein, au sein de l'Algérie. Et puis très rapidement, il va plutôt être mis dans un poste qui est lié à la presse. Alors cette autre commune, cette commune d'Alger, elle est intéressante parce que c'est un mouvement de colons et c'est un mouvement qui est coloniste. C'est-à-dire qu'en fait, leur projet, c'est d'accentuer, d'accélérer la colonisation de l'Algérie. Ils oublient complètement les Algériens dans leur projet d'émancipation. Alors pourquoi je donne ces deux exemples? Parce qu'en fait, ils sont très intéressants. Ils montrent les ambivalences de l'universalisme républicain au XIXe siècle, tel qu'il est mis en avant au sein de la Commune de Paris. Si vous allez en Martinique, on a un universalisme républicain qui est mobilisé par les anciens esclaves comme une promesse d'émancipation. Si vous allez en Algérie, on a un universalisme républicain qui est associé à une expérience européenne et qui, au contraire, va avoir tendance à produire des exclusions. Hein, c'est cette variation qu'il faut savoir apprécier. La Commune est un bon moment pour l'observer. Alors, qu'est-ce qui va se passer en Algérie? C'est que cette Commune d'Alger va accentuer un mouvement en cours qu'on va appeler l'insurrection kabyle, qui avait débuté avec la guerre de 1870, hein, profitant des fragilités de la France face à la Prusse. On a un immense mouvement de contestation contre la colonisation française, donc c'est l'insurrection kabyle. 800 000 personnes, hein, c'est la plus grande insurrection de l'histoire coloniale de l'Algérie. Et elle est accentuée par la Commune d'Alger parce que, au fond, les insurgés algériens voient bien ce qui se passe. Hein, ils disent le civil va arriver. Et en fait, le civil va arriver, ça signifie que le projet de la Commune d'Alger est un projet d'accentuation de la colonisation. Donc il faut s'opposer, au fond, à cette nouvelle forme politique républicaine en métropole, communale en Algérie, qu'ils perçoivent comme une menace. Donc ici, on a un effet de ricochet. Alors ça peut avoir l'air curieux, mais c'est très classique. Quand on fait de l'histoire impériale, c'est-à-dire qu'on associe la métropole et les colonies, on a souvent des luttes métropolitaines, des luttes coloniales qui sont tantôt liées, tantôt qui s'opposent les unes aux autres. La lutte des insurgés algériens s'oppose à la France comme puissance coloniale. Donc voilà, on a des échos, on a des insertions dans des phénomènes d'opposition plus larges. Donc c'est ça ce qu'on peut dire quand on dit comment la Commune s'inscrit dans le cadre des luttes socialistes, républicaines et de libération nationale. Il y a des contradictions, hein, c'est le cas de l'Algérie, mais pour le reste, hein, ça devient très rapidement un événement qui reste singulier, mais qui va être réapproprié dans toutes ces luttes, donc ça devient un événement évidemment plus large, connecté, comme on dit. Oui, alors en termes de globalisation de l'événement, hein, ce que je disais tout à l'heure, le phénomène le plus structurant, le plus important, c'est la médiatisation. Alors pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, on a des raisons techniques. Hein. Il y a beaucoup de transformations en matière de presse dans les années 1850-1860. Les agences de presse, dont celles qu'on connaît encore aujourd'hui, Reuters par exemple, Havas, Wolf pour l'Allemagne, se mettent en place dans les années 1850 et commencent à signer des traités de partage d'informations. Donc on a une même information qui va circuler à une échelle vraiment planétaire. Et puis on a aussi des moyens de communication nouveaux. Hein. Le câble transatlantique est mis en place en 1866. Ce qui fait que les informations circulent d'un continent à l'autre en quelques minutes au lieu de mettre plusieurs semaines. Donc évidemment, ça change entièrement le rapport à ce qu'on peut appeler l'actualité. La deuxième chose qui joue, hein, c'est évidemment l'imaginaire social de la France à grande échelle. La France qui est associée à un pays de culture et de modernité. Et puis Paris, hein, Paris, selon l'expression célèbre de Walter Benjamin, hein, c'est la capitale du 19e siècle. Capitale de la modernité, capitale des révolutions. Quand on fait une étude un peu de la presse à une échelle globale, on voit bien que cette image est extrêmement présente. Alors, ces deux éléments expliquent pourquoi, au fond, dès que la Commune démarre, moi, ce qui m'avait surpris, c'est que je pensais que ça allait être plus fort à la fin de la Commune qu'au début, mais en fait, dès le 18 mars, on a une attention médiatique absolument exceptionnelle qui se pose sur la Commune. Il y a aussi d'ailleurs des correspondants étrangers qui sont sur place, hein, qui envoient des comptes rendus très réguliers. Ce qui fait que la Commune, elle est suivie parfois d'heure par heure dans toute l'Europe, mais aussi aux États-Unis, dans le continent latino-américain, et puis dans tout l'espace d'influence anglaise, hein, en Inde, en Australie, etc. Donc on a vraiment une lecture globale de l'événement. Alors chaque fois, c'est une lecture particulière, c'est-à-dire adaptée aux enjeux locaux. Par exemple, si on va aux États-Unis, je dis ça parce que ça a été très étudié par un historien qui s'appelle Philip Katz. Et lui dit, ce qui est impressionnant avec la Commune, c'est que c'est le premier événement qui soit réellement national, c'est-à-dire le premier événement
dont on parle d'une côte à l'autre des États-Unis. Et cet événement, pourquoi il fait autant écho? Parce que les États-Unis sortent de la guerre civile américaine. Et évidemment, une guerre civile en France, ça va permettre hein, d'alimenter la réflexion sur quel type de société on veut après cette Amérique de ce qu'on appelle la reconstruction. Donc la lecture de la commune change selon que vous soyez au nord ou au sud, ou dans le camp démocrate ou camp républicain. Je vous donne juste un exemple, c'est le plus extrême, mais il est amusant. Pour les républicains du nord, on va désigner la commune comme étant le French Ku Klux Klan, hein, une manière de dénoncer en même temps la commune qui déteste, et les demandes d'autonomie, de fédéralisme des États du Sud, qui détestent aussi. Alors qu'évidemment, en termes idéologiques, les deux communes, les États du Sud et les États-Unis, sont absolument et radicalement différents. Voilà, c'est ce type de relecture auquel on a affaire. Un autre espace où la commune est très suivie par la presse, c'est le Chili, le Mexique, la Colombie. Moi, j'ai fait une étude de presse sur le Mexique. Et là, la commune, elle est suivie au jour le jour. Alors, de façon un peu curieuse, parce qu'on a à la fois l'information qui vient des télégraphes, qui est assez rapide. On a d'autres informations qui vont à un autre circuit par les États-Unis, qui est plus riche, mais qui est un peu décalé. Et puis, on a les correspondants sur place qui envoient leur propre compte-rendu, mais parfois, ils ont 15 jours de retard. Donc, dans un même numéro, vous pouvez savoir que la commune s'est achevée et avoir une description de la commune de l'intérieur. Ça fait un effet de lecture un peu particulier, mais ce qui est le plus intéressant, c'est la lecture qu'on va voir se déployer ici. Alors, dans la presse, évidemment, plutôt républicaine, voire socialiste. On a des tonalités différentes selon ces colorations, mais un peu la même idée. Cette idée que la commune est pleine de très bonnes choses. Le républicanisme, le fédéralisme, la lutte contre les propriétaires, la lutte contre le clergé. Mais on se méfie énormément de sa violence. Hein. Ce que dit un des journaux socialistes de l'époque, qui s'appelle El Socialista, c'est « Nos ouvriers sont moins violents que les Français ». Alors, pourquoi ils disent ça? Parce qu'en fait, la commune s'insère dans une lecture de la modernité qui est propre à ces pays-là. Hein, c'est un historien américain qui s'appelle James Sanders qui a montré ça très bien. Pour ces journalistes, il faut distinguer entre une modernité européenne, qui est celle de l'État, de l'industrialisation, et puis une modernité latino-américaine, qui est celle de la République, de la liberté, de la fraternité, etc. Donc au fond, leur argument est très simple, c'est que la commune, c'est une très bonne chose, mais elle s'est un peu trompée de sol. Elle serait plus adaptée, au fond, au sol américain. Donc, c'est intéressant parce que là, ça fait un déplacement des regards. En France, on imagine souvent que la République est un phénomène uniquement français. Du point de vue latino-américain, en fait, le continent américain a une plus longue expérience républicaine à ce moment-là que la France, qui a eu beaucoup de monarchies et d'empires. Donc, vous voyez, tout ça, ça fait autant de lectures de la commune, donc autant de communes, en fait, qui prennent place comme ça sur les lointains par rapport à l'Europe et à la France. Alors, la question qui se pose, évidemment, c'est quel est l'effet de ces lectures de longue portée sur l'événement parisien lui-même? Ce qui est intéressant, c'est que c'est des effets décalés. C'est-à-dire que les insurgés parisiens sont marqués, en fait, par cette dimension transnationale et globale de la commune dont ils ont conscience, même s'ils ne la voient que partiellement. Par exemple, on ne voit pas du tout les États-Unis ni l'Amérique latine. Et si, évidemment, ils sont d'abord pris dans un enjeu de lutte contre les Versaillais. Donc, c'est un peu à l'arrière, c'est présent, mais c'est à l'arrière-plan. Et du côté de ces appropriations, donc là j'ai parlé de celle du Mexique ou des États-Unis, mais c'est partout pareil ailleurs. Évidemment, ces appropriations qui vont suivre les évolutions de la Commune de Paris, donc qui sont marquées par ce qui se passe en France, tout en répondant, on vient de le voir, à des enjeux locaux et en ayant leur propre autonomie. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut ajouter cette dimension globale à la compréhension de la Commune, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi l'événement a eu immédiatement une telle portée. Il s'est surchargé de son sens en direct, d'une certaine manière. Alors, en termes de réception internationale de la commune, vous savez, la commune se termine par un bain de sang. Il y a eu des débats sur les chiffres, mais là, on estime qu'on a à peu près 15 000 morts au moment de ce qu'on a appelé la semaine sanglante. Cette fin de la commune, hein, apocalyptique, telle qu'elle a en tout cas été décrite par les acteurs des deux côtés des remparts, elle a suscité un choc énorme. Et donc l'attention qui était portée sur elle, qui était déjà très importante, s'est un petit peu modifiée à ce moment-là. Alors ce qui est très surprenant, si on reprend la question de la presse, hein, c'est que la tonalité, la première tonalité, elle est surtout négative. On va parler des massacres, c'est-à-dire des massacres des Parisiens par l'armée versaillaise, mais ce qui choque le plus, c'est plutôt les incendies, donc ceux qui ont été allumés
par les communards, avec cette idée au fond que on a détruit la culture et la civilisation, c'est-à-dire des bâtiments qui incarnent, donc ça c'est le langage de l'époque, hein, le génie humain. Donc les communards ont détruit des œuvres donc qu'on ne pourra plus jamais avoir puisqu'elles étaient uniques et exceptionnelles. Hein. Celui qui vraiment est horrifié, c'est le journal qui est assez conservateur, qui s'appelle le Times, hein, qui dit au fond aucune le monde ne connaît pas de tragédie similaire. Et cette lecture, on va la retrouver dans la presse conservatrice évidemment, mais aussi dans une certaine presse républicaine, libérale, parfois dans certains journaux socialistes ouvriers qui veulent se mettre à distance de cette image de violence. Et puis avec cette critique hein, sur les incendies, on a des portraits absolument terrifiés de tout un cortège de fous, de criminels, d'alcooliques, de dégénérés, d'autres rouges, qui vont hanter les portraits de l'insurrection. Alors la grande figure, c'est la pétroleuse. Hein, la pétroleuse qui est d'un côté rejoue en quelque sorte la figure de la sorcière, qui en même temps est une figure de la sorcière industrielle, puisqu'elle jette du pétrole et elle allume les incendies. Ça c'est un classique, hein, toutes les révolutions ont leur figure négative. C'est toujours une femme qui est censée incarner à la fois la mise à mal de l'ordre social et de l'ordre naturel. C'était les tricoteuses en 1793, les Amazones en 1848 et les pétroleuses en 1871. Donc une perception absolument horrifiée. Le deuxième point de cette lecture très négative, hein, c'est les réactions diplomatiques qui sont unanimement opposées. Hein, le Brésil, la Chambre du Brésil se félicite des victoires de la cause de la civilisation et des principes du christianisme. Donc, vous pouvez mettre des guillemets, hein, c'est une citation. Et la France, évidemment, en tout cas le ministère des Affaires étrangères français, va jouer le jeu. Hein, il vient de perdre la guerre. En fait, l'argument qui est assez bien vu d'un point de vue diplomatique, ça va être de dire, bon, ben, en fait, la Commune, c'est la trace des nouvelles révolutions modernes à venir. Donc la France est à l'avant-garde de la lutte contre ces révolutions. Et donc c'est une manière pour elle de se remettre en place dans le jeu diplomatique, non plus comme le vaincu de l'Allemagne, mais comme une force sur laquelle tout le monde doit s'appuyer, parce que cette menace hein, peut concerner tous les États européens. Donc il y a un geste diplomatique qui va appuyer tout ça. Alors là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas qu'une question d'imaginaire, c'est aussi une question très pratique. Les États européens vont réagir, et on va assister, après la Commune, à un renforcement des États. C'est un des paradoxes, hein, un des effets de la Commune, c'est un renforcement des États-nations, donc l'identité nationale se renforce, hein, la Commune c'est l'autre. Mais en termes de renforcement étatique, on va observer une intensification des échanges policiers, la mise en place d'une politique des passeports qui avait été pourtant abandonnée dans les années 1860, et beaucoup de débats autour des extraditions. Tous les États n'extradent pas, mais le débat est relancé. Et le résultat de tout ça, au fond, c'est que va s'accoler à la Commune toute une série d'idées reçues que les historiens vont mettre pratiquement un siècle à défaire. Hein, l'association entre la Commune et la violence. Ou l'association entre la Commune et laïcité. Hein, parce que ce que va dire le ministère des Affaires étrangères français, c'est que la Commune, c'est une menace cosmopolite. La preuve, c'est qu'elle a été organisée par laïcité. Il y a toute une thématique du complot de laïcité, hein, qui aurait fomenté de l'intérieur la Commune. Cette thématique du complot, elle va être reprise par toutes les chambres diplomatiques européennes, ottomanes, américaines, brésiliennes, à une très grande échelle. Alors ça, c'est un peu une des surprises de l'histoire, mais lorsque on aura la relecture soviétique de la Commune, on verra dans cette présence de laïcité, qui était donc exagérée dans cette lecture, plutôt la trace des avant-gardes. Et là, va se justifier ce lien très très fort qui va être fait pendant longtemps entre la Commune et laïcité. C'est d'abord la lecture négative, puis une réinterprétation positive de cette lecture négative qui est à l'œuvre. Donc ça, c'est ce regard très noir. Évidemment, dans le même temps, on va avoir une lecture positive qui va se dégager, et d'autant plus que cette lecture négative a un impact extrêmement fort. Donc très vite, les communards vont être la trace des martyrs en fait de la Révolution, de la lutte des opprimés contre des forces d'oppression, et on va le voir, cette récupération assez nettement. Alors, il y a deux niveaux. Il y en a une qui est très connue, une qui est moins connue. La très connue n'en est pas moins la plus structurante, la plus importante. C'est les relectures qui ont été proposées dès 1871 par Marx et Bakounine. Marx, très vite, fait une analyse à chaud de la Commune dans ce qu'il appelait, enfin, dans un livre qui s'appelle La guerre civile en France, qui est immédiatement traduit en plusieurs langues, hein, français, espagnol, allemand, anglais, etc. Bakounine, lui, a très vite une lecture de la Commune comme ce qu'il appelle une négation audacieuse de l'État.
hein, lecture anarchiste. Donc c'est deux lectures différentes. Les marxistes inscrivent la commune dans une lignée des révolutions avec l'idée qu'il y a des leçons à en tirer pour l'avenir. Et les anarchistes, hein, vont plutôt insister sur la lutte constante des opprimés contre les exploiteurs dans une lecture plus spontanéiste. Mais dans les deux cas, ils vont assurer l'association entre la commune comme moment de la lutte des classes. Le thème de la lutte des classes, donc il y a évidemment l'idée des antagonismes sociaux dans la commune, mais la lutte des classes au sens marxiste n'est pas présente dans la commune. C'est après coup qu'on va l'analyser de cette manière-là. Et c'est probablement au sein du Parti socialiste allemand de l'époque, le SPD, que va vraiment se cristalliser cette image de la commune comme étape marquante de cette lutte des classes. Et après, avec le renouvellement, la reconfiguration des mouvements ouvriers socialistes des années 1880-1900, ça va devenir une image assurée, une idée qui va être reproduite comme quelque chose de tout à fait naturel. Mais il y a une autre lecture, une autre réappropriation qui opère à ce moment-là. C'est ce que les historiens, alors du global, hein, appellent le radicalisme global des années 1860. En fait, il n'y a pas que les marxistes et les anarchistes. Il y a tout un courant qu'on a déjà vu tout à l'heure, hein, associationniste, mutualiste, socialiste, fédéraliste, etc., ouvrier. Et là, on va avoir d'autres appropriations de la commune. Alors, c'est évidemment lié au flux des exilés. Il y a à peu près 6000 exilés qui partent dans toute l'Europe, quelques-uns aux États-Unis et en Amérique latine. Mais en réalité, vu l'intensité des échanges médiatiques, on n'a pas tellement besoin des exilés pour s'approprier la commune. Donc là, on a d'autres échos, hein, très importants. Une révolution d'abord qui s'appelle la révolution cantonaliste espagnole de 1873, où là, la commune est directement utilisée comme référence parce qu'elle vient alimenter ce niveau d'action où doit se jouer l'émancipation politique et sociale qu'est le canton. Même écho très fort de la commune dans l'espace italien. On a une hausse des effectifs de l'AIT en Italie dans un courant beaucoup plus libertaire. Et puis on va retrouver des échos beaucoup plus lointains, notamment toujours dans cet espace latino-américain. Dans les années 1870, beaucoup de journaux dans toute l'Amérique latine se créent qui vont s'appeler La Comuna, et en référence directe à la commune. Hein, la Comuna Mexicana, pour revenir au Mexique, en 1877, hein, dira, alors je ne suis pas sûr que ce soit 1877 exactement, mais ça doit être à peu près la bonne date, dira, aussi longtemps qu'il y aura un homme ou une femme vivante sur Terre, la commune continuera à exister. Avec cette idée qu'au fond, la commune, c'est quelque chose qui concerne n'importe quel espace à l'échelle de la planète. Et puis, on a des réappropriations aux États-Unis par les radicaux américains. Et là, c'est intéressant, c'est d'autres lectures. Là, on va avoir la première lecture féministe, par exemple, qui va se mettre en place. Donc, en fait, ce qui se passe à chaque fois, c'est que la commune, dans chacun de ces lieux, elle apporte un surcroît d'internationalité, un surcroît de sens, mais en même temps, on voit bien qu'elle prend racine localement, hein, elle est intégrée dans les enjeux locaux de chacun de ces combats. Donc, d'une certaine manière, ça va devenir un événement domestique dans chacun de ces différents espaces. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout à faire une lecture diffusionniste, c'est pas la France qui diffuse ses grands idéaux et les autres pays qui, gentiment, vont être éclairés par elle. On a plutôt des phénomènes d'appropriation qui ont lieu en même temps. C'est plutôt l'image du marcottage qu'il faut utiliser. Donc au fond, on a à ce moment-là une co-construction d'idées communes. Hein, il y a celle qu'il y a en France. Et chacune de ces réappropriations apporte une idée supplémentaire à l'image de la commune. C'est pour ça que dans le livre, j'avais parlé d'un moment commun. Et en ce sens-là, la force symbolique de la commune, c'est une construction qu'il y a l'événement, mais c'est aussi une construction globale. Alors, on l'a déjà un peu eu, on a déjà des éléments de réponse à notre question de départ, hein, ce qui était comment comprendre l'importance de la commune. Elle a une importance du fait de son mouvement propre et du fait qu'elle a été coupée dans l'œuf, hein, cette république démocratique et sociale, qui fait que du coup, elle est offerte à tous les investissements possibles, tout en ayant concrètement changé la situation dans l'espace parisien. Ça, on ne l'a pas vu, mais vous l'avez vu dans les autres vidéos. Et puis, il y a cet écho médiatique, mais pas seulement, ces appropriations à échelle globale, hein, qui sont liées aux conditions géopolitiques et techniques du temps, qui sont liées à l'imaginaire dont la France bénéficie à ce moment-là, et puis qui sont liées à ces espaces de circulation des idées républicaines et socialistes, qui sont encore très mal étudiés, mais qui vont l'être de plus en plus. Hein. Et donc du coup, ces deux éléments, et local et global, expliquent au fond l'importance que la commune a eue très tôt. Si on veut un exemple, en fait, ce que fait la commune, c'est qu'elle crée une nouvelle catégorie historique qui s'appelle la commune, et qui va parler à tout le monde pour les deux siècles qui suivent.
Donc, au fond, on ne peut pas dire que ce qui fait l'importance de la Commune, c'est sa réappropriation par la lecture soviétique. On voit bien qu'elle a une vraie importance dès 1871. Ceci dit, il n'en demeure pas moins qu'il y a une autre histoire de la Commune, après la Commune, et notamment en 1917, hein, le fait que la Révolution russe s'empare de l'événement inaugure bien un tournant dans cette histoire longue des mémoires de la Commune. Alors, on connaît tous, hein, enfin, on ne les connaît pas, ce n'est pas très grave, mais Lénine dansant dans la neige pour célébrer le 73e jour du pouvoir bolchevique, c'est-à-dire qu'il aurait dépassé le moment, les 72 jours de la Commune. Mais à partir du moment où l'URSS s'installe, la Commune prend place dans une histoire officielle, hein, ça devient tout d'abord une trace de la dictature du prolétariat, un terme que n'employait pas Marx, une date fondatrice dans une histoire mondiale des révolutions. Donc la Commune va être portée à la connaissance d'autres territoires, notamment d'autres continents, le continent africain et le continent asiatique. Et ça, c'est la version, on va dire, officielle, mais il n'en demeure pas moins que chaque fois, l'idée de commune va être réappropriée dans des formes de combat beaucoup plus diverses et variées. En 1919, hein, le mouvement spartakiste à Berlin s'en empare, et la commune va aussi être utilisée dans les luttes anticoloniales. Par exemple, les communistes vietnamiens, dans les années 30, chaque année, ils allaient au mur des fédérés. Deuxième circuit de reprise, la reprise maoïste. Alors au début, la République populaire de Chine s'intéresse pas trop aux expériences historiques françaises qu'elle trouve un peu loin. Puis elle va reprendre la version marxiste-léniniste, vraiment la plus caricaturale, à des fins de propagande, notamment au moment du grand bond en avant en 1958, puis de la révolution culturelle en 1966. Et là, cette connaissance de la commune va suivre un autre circuit, qui est le circuit des idées maoïstes. Et c'est un peu la même chose, alors qu'on a une lecture qui va être très fossilisée, il va y avoir des réappropriations qui vont proposer d'autres lectures, en tout cas se le réapproprier d'autres manières. En 1967, des étudiants et des ouvriers à Shanghai vont lancer une insurrection qu'ils vont appeler commune. Et du coup, les échos à la commune ensuite vont être beaucoup plus fréquents. L'année 68 était importante, on a une commune à Prague, on a évidemment des références constantes à la commune en France. Et chaque fois que ces mouvements font appel à la commune, ils lui redonnent un sens supplémentaire. Ce qui fait qu'au lieu de dire que la commune, son histoire se limite aux 72 jours, en réalité, si on s'intéresse à ces échos, et ces échos, c'est pas des échos, hein, c'est que faire référence à la commune, c'est ce qu'on appelle les références vives, c'est-à-dire c'est rouvrir le temps de la commune dans le présent, et donc ouvrir l'espace des possibles, et en même temps, c'est lui doter d'un autre sens dans le nouveau contexte dans lequel on est. Donc c'est toute une histoire mondiale, en fait, des 19e, 20e siècles ici qui est en jeu. Alors, cette mémoire vive, on a eu l'impression, avec la chute de l'URSS en 1989, puis le reflux du communisme, qu'elle commençait à s'affaisser. C'est vrai que dans les années 2000-2010, il y a eu un refroidissement, et de l'histoire et de la référence à la commune. Mais c'est ce que je vous disais en commençant, on a vu l'événement se réchauffer, hein, dans les différentes luttes sociales et politiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'est pas réchauffé de la même manière que les décennies précédentes. La commune renvoie moins, comme dans les années 70, à la lutte des classes marxistes ou à la spontanéité anarchiste ou lutte urbaine. Dans les luttes actuelles, elle renvoie beaucoup plus à la question de la souveraineté populaire par le bas, à des formes de démocratie radicale, à la constitution de micro-territoires alternatifs qui échapperaient à l'emprise du grand commerce international, l'emprise du capitalisme et des nouvelles formes de gouvernementalité. Vous voyez, c'est intéressant parce que ça dit beaucoup de notre propre rapport aux politiques aujourd'hui. Donc il y a deux choses à retenir, c'est d'une part, cette manière qu'a la commune de traverser les temps et les espaces est quand même extraordinaire, ça reste un objet d'étude qu'il faut creuser. Et d'autre part, chaque fois, elle dit beaucoup du moment où elle est réappropriée. Et alors on ne s'étonnera pas que les exemples que j'ai donnés au début, c'était la France, le Mexique, les États-Unis, l'Espagne, c'est-à-dire les territoires qui, au fond, se l'étaient appropriés dès 1871. Voilà comment une histoire globalisée de la commune, qui n'oublie pas évidemment les échelles locales, peut aider à comprendre ces présences de la commune actuelle et voir en fait qu'elles ont une signification qu'il faut savoir observer, qui est extrêmement importante. Sergio, te dejamos a ti la palabra Muchas entonces. gracias, Quentin.
Bien. Bueno, de escuchar la extensa y completa exposición del profesor Cantán de Lemos, es evidente que la comuna es un tema muy trascendente, no solo por la comprensión del acontecimiento histórico en el contexto de su época, sino también por sus proyecciones universales hasta nuestros días. Aunque todos los hechos históricos, no solo la comuna, deben ser leídos como una relación dialéctica muy, muy activa entre pasado, presente y futuro, y no como un pasado muerto que no guarda relación con los problemas de nuestro tiempo presente, no cabe la menor duda de que la Comuna de París es, desde hace un siglo y medio, uno de los acontecimientos que mejor ilustra esta concepción de la historia, historia entendida como historiografía, como una lectura del pasado que siempre se hace desde el presente y desde condicionamientos de todo tipo que pesan en nosotros, sus lectores. Aún después de escuchar el completo balance de miradas historiográficas y políticas sobre la comuna que nos ha regalado Cantán, acompañado de interesantes reflexiones, creo que subsiste y probablemente subsistirá por mucho tiempo la interrogante de por qué un episodio de la historia francesa tan efímero, ni siquiera 2 meses y medio, 72 días, tuvo y sigue teniendo un eco tan potente y universal. Hay un misterio que aún no logramos desentrañar plenamente. Y aquí surgen inevitablemente las preguntas que pienso que podrían animar este diálogo. ¿Será acaso que el propio carácter ambiguo, polisémico, difícil de aprender, situado en un cruce de caminos, el del tránsito de una Francia aún esencialmente rural, que estaba dando sus primeros pasos en la vía de la revolución industrial, pero pasos aún muy débiles, muy inseguros, hace de la comuna un hecho histórico situado, como lo planteaba Cantán, entre el crepúsculo de las revoluciones del siglo XIX, republicanas, liberales, democráticas, y el alba de las revoluciones del siglo XX, populares y proletarias, como lo indicaron los análisis marxistas mencionados por Cantán? ¿O será que, tal vez en la perspectiva anarquista, la comuna es la expresión por antonomasia de la espontaneidad revolucionaria y podríamos agregar por cuenta nuestra el punto de convergencia de intereses, luchas y perspectivas disímiles de variados sujetos colectivos agrupados en torno a su mito bajo el denominador común de ser oprimidos, cualquiera sea el tipo de opresión, en busca de la emancipación? ¿Será tal vez que, tal como lo señaló el profesor Delormeaux, respecto de un marco histórico previo en el que podían inscribirse los antecedentes de la República, de la Comuna, el de las luchas socialistas, federalistas, republicanas, mutualistas, obreras, etcétera, esta también puede situarse después de su caída en un marco amplio y flexible que hace posible su apropiación por variadas corrientes, desde las marxistas y anarquistas a otras más recientes que, como él decía, la conciben simplemente como una expresión de la soberanía popular desde abajo o formas de democracia radical, entre otras apropiaciones. Esta manera extraordinaria de la comuna de atravesar el territorio y el espacio no nos estaría dando luces, y esta es una provocación respecto de nuestro tiempo presente y del futuro. Digo, esta manera extraordinaria de la comuna de atravesar el territorio y el espacio no nos estaría dando luces
acerca de la posibilidad de conciliar la perspectiva de la lucha de clases y la del poder popular desde abajo con la perspectiva anarquista y algunas más recientes que ponen el énfasis en la soberanía popular desde abajo o en las formas de democracia radical. Recordemos de paso que el propio Marx, sin abandonar la lucha contra los anarquistas, de cierta manera intentó hacerlo al preguntar, esto es textual, de uno de sus escritos, ¿queréis saber lo que es la dictadura del proletariado? Respondiendo enseguida, mirad la Comuna de París. O incluso Lenin, en el Estado de la Revolución, reivindicó no solo la destrucción del aparato estatal burgués, a propósito de la Comuna, sino también la sustitución del ejército permanente por el pueblo armado y la burocracia estatal por representantes electos que trabajarían por el salario de un obrero calificado como primeros pasos para iniciar la extensión del Estado. Ciertamente, esto nos aleja de la historiografía para entrar directamente en el campo de la política y de los proyectos futuros, pero también es cierto, y soy un convencido, siempre lo he reivindicado, que la historia, como disciplina, siempre ha mantenido relaciones estrechas y contradictorias con la política y nunca, por más que algunas corrientes historiográficas lo hayan pretendido, ha podido emanciparse por completo de esta. Cualquiera sea la respuesta a interrogante, está claro que como se afirma en una canción francesa muy conocida, La Commune n'est pas morte. Oui, c'est à moi de réagir, c'est ça? Apparemment. Ok. Si. Oui, c'est toi. C'est toi. Désolé de mon manque de réactivité. Bon. Et on va attendre d'autres questions du public, s'il y en a, on va te les poser aussi. D'accord. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre lecture. Je vais revenir dans un instant. Je voudrais juste d'abord signaler que le grand historien de la Commune, Jacques Rougerie, est mort là le 22 mars de cette semaine. Donc, je voudrais en profiter pour lui rendre hommage parce que c'est, au fond, c'est grâce à son travail que les questions telles que le professeur Grèce les a posées ont pu être renouvelées. La Commune, c'est intéressant au fond de rappeler qu'il y a un mystère parce que pendant très longtemps, on a pensé ce mystère résolu. Et au fond, ce qui est intéressant avec la Commune, c'est qu'elle échappe en permanence aux grilles d'analyse qu'on essaye d'appliquer sur elle. C'est-à-dire que la grille d'analyse marxiste, elle n'est pas fausse, mais en l'enfermant dans une conception plus étapiste du temps, entre justement l'aube et le crépuscule, elle ne rend pas complètement compte non plus la richesse de ce qu'a été la Commune. Même chose pour les analyses anarchistes, elles lisent beaucoup de choses vraies de la Commune, mais pour certaines, comme je pense au sociologue André Découfflé, hein, qui disait qu'au fond, pour comprendre la Commune, il fallait surtout ne pas penser son passé. Là encore, il y a quelque chose qui ne me convient pas, parce que la Commune, elle est chargée d'un passé, mais d'un passé qui est une promesse d'avenir. Il y a tout un rapport au temps, en fait, qui est très compliqué à retrouver à travers la Commune. Et puis, c'est grâce à Jacques Rougerie, hein, qu'on a pu identifier, au fond, un des éléments qui explique un peu ce mystère, mais je crois que ce mystère, il faut le laisser ouvert, pour être tout à fait honnête, qui est ce qu'on appelle la République démocratique et sociale au XIXe siècle, c'est-à-dire cette idée que vous ne pouvez pas changer la forme politique, hein, la République, sans changer l'ordre social et économique. Et le relais, c'est ce qui explique aussi ces échos aujourd'hui, dans l'esprit des communards, c'est ce qu'on appelle l'association. Hein, il faudrait des associations de producteurs, des associations de consommateurs et des associations d'associations doivent donner lieu à des communes, ces communes doivent être liées entre elles librement, et donc ça donne lieu à une autre forme politique, une autre nature politique de la République. Alors la Commune, effectivement, c'est pour ça que mon livre sur la Commune, j'avais appelé ça une traversée des mondes au XIXe siècle, parce qu'il faut traverser des mondes pour la comprendre, mais elle nous fait elle-même traverser des mondes, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est un véritable défi à l'historiographie, tel que le professeur Grèce vient de le rappeler. On a un événement court qui fait sens dans une très très longue durée, et ce n'est jamais exactement le même sens.
Donc probablement qu'il faut revenir à l'événement lui-même. Les deux hypothèses que je propose dans le livre, et puis je m'arrêterai là, hein. D'une part, c'est ce que je n'ai pas pu présenter dans la conférence d'aujourd'hui, il faut une analyse au ras du sol, au plus près des acteurs, celle que le professeur Grèce connaît très bien, pour voir comment les acteurs ouvriers, qualifiés du Paris populaire comprenaient cette dynamique communarde d'une façon extrêmement riche, et bien voir que en réalité, ce n'est pas que du discours, il y a une véritable transformation des rapports sociaux qui a été commencée sous la Commune, mais qui a été brutalement interrompue. Ce qui explique au fond qu'on peut y voir tout ce qu'on veut. Certains diront qu'il ne s'est pas passé grand-chose, d'autres au contraire qu'on a les prémices de la lutte des classes, d'autres au contraire. Cette possibilité-là, hein, cette ouverture du possible, elle est liée au fait qu'on a une dynamique de transformation qui a été brutalement interrompue. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est cet écho extraordinaire de l'événement dès 1871, c'est-à-dire dès le premier jour, du fait des différents éléments qui ont été rappelés dans la communication, qui est lié hein, aussi à l'imaginaire de Paris à une échelle globale au XIXe siècle, c'est-à-dire que cet événement court a fait immédiatement sens à très grande échelle. Et chaque espace qui s'est réapproprié y a ajouté son propre sens. Donc, ce qui fait qu'en 72 jours, on a un événement qui s'est retrouvé surchargé de signification, avec une capacité à faire sens qui allait déborder sa propre temporalité. Donc ce mystère, il faut le laisser ouvert pour une simple et bonne raison, c'est que pour le 140e anniversaire, on a pensé que cet événement s'était refroidi, que la Commune ne faisait plus sens, qu'elle sombrait en quelque sorte avec une certaine histoire de l'URSS et la fin du communisme. Et puis on voit bien depuis 10 ans qu'elle a ressurgi, c'est une histoire encore vivante, et c'est ce ressurgissement hein, qui fait qu'aujourd'hui encore, on a besoin de retourner sur l'événement pour continuer à comprendre le sens qu'il a pu avoir dès ce moment-là. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette reprise et ces éléments de discussion. Quisiera hacerle una consulta al profesor Delormez sobre el mismo punto. No sé si es el momento de hacerlo. Sí, yo, no hay por ahora otras preguntas, así que puedes continuar. Sí, es simplemente en un sentido de profundizar lo que estamos conversando. ¿No será acaso que esta gran cantidad de fenómenos de apropiación, de relecturas, de reapropiaciones, incluso de reapropiaciones condicionadas por lo que tú denominas como eventos domésticos en otros países, en las colonias francesas, tiene que ver con el carácter híbrido del acontecimiento, de lo que ocurrió durante esos 72 días en París, independientemente de sus repercusiones en otros puntos de la Francia metropolitana, pero sobre todo los acontecimientos parisinos. ¿Y a qué me refiero con esto? Al hecho innegable que si bien la Comuna de París fue presentada por Marx y por toda la tradición marxista posterior a Marx como una expresión de la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía, o incluso de la propia dictadura del proletariado propuesta décadas antes por Marx y Engels, en realidad, si uno estudia así sea someramente la realidad francesa y parisina de la época, va a descubrir que en términos de estructura de clases, la ciudad de París, o la región parisina, si se quiere, estaba compuesta a nivel de los sujetos populares, por una gran variedad de tipos sociales, no solamente obreros. Incluso en la propia comuna hay una participación significativa de otros sujetos sociales populares, como artesanos, pequeños comerciantes, trabajadores independientes, dueñas de casa y sin lugar a dudas también obreros y obreras. Además de los integrantes de la Guardia Nacional. Entonces,
Este fenómeno más popular, en un sentido amplio de la palabra, que es estrictamente proletario, ¿no sería acaso una de los hechos que permiten a posteriori a una gran variedad de corrientes políticas, tendencias, movimientos sociales, grupos de interés, hacer una lectura reivindicatoria de la Comuna de París en función de su propia visión del mundo, de sus propios intereses? Y este fenómeno también habría que vincularlo con la influencia real o mítica de la AIT, de la Asociación Internacional de Trabajadores, que tú mencionaste en tu exposición, Cantán. En el sentido de que la AIT, sí, tiene una influencia en la Comuna de París, pero no es solo la AIT. En la Comuna de París hay seguidores del jacobinismo de la época de la Gran Revolución Francesa, la de 1789. Quiero decir, gente que reivindicaba los principios jacobinos. Hay republicanos, tout court, como se diría en francés, y también hay militantes de la AIT señalando para los nuevos especialistas que en el seno de la AIT había una heterogeneidad enorme. Lazayanos, proudhonianos, bakuninistas, marxistas, etcétera, por citar algunos. Entonces, este carácter híbrido, heterogéneo, de gran diversidad de actores sociales y políticos, ¿no será acaso el punto de partida de esta polisemia posterior y de esta capacidad extraordinaria que tiene la Comuna de París de arrojar luces hasta el día de hoy, al punto que movimientos o corrientes políticas muy recientes, muy de nuestros días, impensadas en el momento de la Comuna, e incluso durante gran parte del siglo XX, la siguen levantando como uno de sus principales estandartes? Oui, merci beaucoup. Alors, c'est une question qui est importante et c'est une piste qui est elle-même extrêmement suggestive. Le problème avec la Commune, vous l'avez dit, hein, c'est qu'on a tendance à faire un peu l'histoire à l'envers. C'est-à-dire qu'on part du point d'après et on relie la Commune en fonction de ce point d'après. Et plus on avance dans l'événement, plus on est confronté à cette extraordinaire complexité. Ça a été tout l'apport des travaux de Jacques Rougerie ou de Robert Tombs, hein. Donc, vous avez tout dit, grande variété des types sociaux. Il faut rappeler que Paris est une ville qui a commencé à s'industrialiser, surtout sous le Second Empire. Donc, on a non seulement des ouvriers qualifiés, des artisans, des commerçants, mais on a aussi toute une foule de commis, d'employés, ce qu'on va appeler les classes moyennes, qui en fait sont les classes moyennes inférieures, qui se vivent eux-mêmes un peu comme des prolétaires d'un nouvel ordre industriel. Pour éviter de parler de lutte des classes, mais sans nier cette variété, cette tension, les historiens français ont parlé d'antagonismes sociaux, hein, pour montrer qu'il y avait une série de tensions entre les groupes sociaux. Pour la Commune, on oppose en général ce qu'on appelle le peuple aux ennemis du peuple, plutôt que classe contre classe. Et les ennemis du peuple, bah, c'est assez simple, hein, c'est les juges, c'est les magistrats, c'est les policiers, les rentiers, les propriétaires, les riches, les aristocrates. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les archives, on voit qu'il y a une négociation permanente en fait, au sujet de ses ennemis. Certains sont arrêtés, mais d'autres vont dire il y a un commissaire de police qui essaie de faire appliquer la loi sur les loyers. Et un des propriétaires dit, mais moi, je n'ai pas d'argent non plus. Il trouve une espèce de négociation, d'arrangement assez intéressant. Ça veut dire que non seulement on a cette diversité politique, on a des blanquistes, des proudhoniens, des internationalistes, etc. Non seulement on a cette diversité sociale, mais il faut bien voir que chaque quartier de Paris vit à son propre rythme, donc chaque configuration est un peu différente. Donc ça crée des mondes extrêmement riches. Donc ça, c'est un premier élément d'explication, c'est vrai, ce fourmillement, littéralement, hein,
ce bruissement démocratique peut expliquer cet écho de très longue durée. La question que j'avais soulevée dans l'ouvrage, elle suggérait aussi une autre piste, mais elles ne sont pas du tout incompatibles. Au contraire, je pense qu'elles vont ensemble. La vraie question que pose la Commune, c'est que cet événement qui est très parisien, très urbain, a quand même fait sens dès 1873 auprès de paysans espagnols. Elle a fait sens ensuite auprès de combattants cubains. Elle a réussi à faire sens par la suite au XXe siècle, juste dans les campagnes chinoises, voire chez les anticoloniaux africains. Donc, il y a quelque chose qui a l'air de déborder malgré tout aussi ce fourmillement-là. Ce que j'ai tenté dans le livre, mais sous forme vraiment d'hypothèse, c'est-à-dire sur la base de cette richesse-là, c'est d'aller voir du côté de l'anthropologie, notamment ce qu'a proposé quelqu'un comme David Graeber, qui est mort récemment, c'est-à-dire cette idée au fond que ces formes démocratiques, hein, fondées sur le rejet de la verticalité et sur des formes d'égalité, ne seraient pas propres à l'espace européen du XIXe siècle, qu'on le trouverait au fond partout et toujours en tout temps, et que la Commune serait un moment où se réaliserait cette possibilité-là des organisations humaines. Cette hypothèse-là, hein, elle est proposée par plus en plus de travaux d'anthropologie qui remettent en cause ce qu'avait cherché Marx, c'est-à-dire cette idée d'un communisme primitif. Ils tendent à démontrer qu'en réalité, on a des formes d'égalité et de hiérarchie qui sont toujours croisées, qui prennent des formes très différentes en fonction des sociétés. Donc, une autre piste, c'est de dire qu'au fond, la Commune, c'est aussi un moment où cette forme possible d'organisation humaine prend place dans un monde plus industriel, plus étatique, plus capitaliste aussi, et que, d'une certaine manière, elle rend possible la permanence de cette forme-là dans ce nouveau monde. Et c'est ce qui explique pourquoi elle peut continuer à faire sens jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a l'air à la fois très loin dans le temps, mais elle continue d'avoir l'air en même temps très proche dans les attentes. C'est une piste, hein, c'est-à-dire que dans l'ouvrage, je fais vraiment la distinction entre les choses dont je suis sûr, qui sont démontrées par les archives, et ce qui est de l'ordre de l'hypothèse. Là, c'est vraiment de l'ordre de l'hypothèse, mais c'était le seul moyen pour moi d'expliquer au fond cette persistance du sens de la Commune dans des espaces-temps qui ont l'air quand même extrêmement éloignés. Donc ça, c'est une hypothèse, mais qui explique hein, la façon dont on peut continuer à voir en elle quelque chose qui fait sens dans le 21e siècle qui est le nôtre aujourd'hui. Cantan, Sergio, me voy a permitir yo hacer una pregunta a propósito de las hipótesis y de lo que conversamos con Lord Godinot el 8 de marzo en relación a la historia de las mujeres en la Comuna de París, que está empezando a emerger, es una historia menos conocida. Y desde esa perspectiva, algo que tú mencionaste, Contán, el hecho de que esta comuna se asentara en los barrios y tuviera muchas formas de expresarse simultáneamente, es la expresión política del poder administrativo, digamos, en el Hotel de Ville, en la Guardia Nacional, pero al mismo tiempo la participación masiva de mujeres en todos los frentes y simultáneamente mantener la vida del barrio, ¿no? Luchaban y mantenían la cotidianidad muchas mujeres en distintos frentes, obreras, artesanas, muchas profesoras, mujeres que trabajaban en la imprenta, como nos mostró Lord Godinot, pero también muy participativas. Y me preguntaba hoy día la importancia de esto en la medida, por ejemplo, que en Chile en el 2019 la expresión social contra el sistema no era solo contra un gobierno, por el exceso, ¿no es cierto?, de opresión, de discriminaciones, que tuvimos ese momento formidable, octubre del 2019, había muchas búsquedas de asociación barrial y muchas nuevas sujetos y sujetas políticas buscando una nueva forma de democracia. Mi pregunta va ahí en esto de las hipótesis, si no habrá también ahí un núcleo de una democracia participativa extensiva en la búsqueda actual de lo que es la historia de la comuna, dado que la democracia representativa o la democracia socialista fracasaron. Y estamos en búsqueda de nuevas democracias que expresen mejor los sujetos sociales, los movimientos y esta necesidad de
estudiar, de reformular los sistemas actuales. Porque eso algunos movimientos contemporáneos lo muestran mucho, ¿no? No es solo un tema de la lucha de clase en sí, va más allá. También hay una búsqueda de la forma de gubernamentalidad que queremos darnos con democracia. Oui, oui. Pardon. Oui, c'est bon. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre question. Alors, la question des femmes, elle est évidemment majeure sous la Commune. Moi, l'expression que j'aime bien, c'est d'une historienne qui s'appelle Caroline Fayol, qui parle de révolution dans la révolution. Hein, c'est-à-dire que la Commune, au fond, c'est une révolution qui a tendance à oublier un petit peu les femmes, mais au sein de la révolution s'ouvre une brèche dont s'emparent certaines femmes et qu'elles vont accroître d'une certaine manière. Ça répond un peu à ce que vous disiez, il y a deux mouvements, mais en fait, pour être tout à fait honnête, je pense même que l'Hôtel de Ville est postérieur à la dynamique participative à l'échelle des quartiers, pour une raison toute simple, c'est qu'il n'a pas les moyens matériels de faire appliquer ces mesures, d'une part, et d'autre part, pour des raisons aussi idéologiques, c'est-à-dire que c'est une révolution qui se dit une révolution citoyenne, par le bas, donc l'Hôtel de Ville se définit lui-même par son moindre pouvoir par rapport aux dynamiques qu'on va pouvoir observer à l'échelle des quartiers. Avec parfois des choses qui peuvent avoir l'air curieuses, mais qui sont tout à fait cohérentes. Si vous êtes dans les quartiers bourgeois du 16e arrondissement, le suffrage universel est mis en place. On a élu une commission municipale qui est très peu communarde. Les communards la laissent exister parce que c'est une expression de la vie politique du quartier. Alors, ça n'empêche pas après les gardes nationales de venir dans le quartier et réinstaurer un ordre communard. Mais on a une espèce de pluralité de légitimité qui effleure comme ça en même temps au moment de la Commune de Paris. Alors, votre question, elle est très intéressante parce que ce qui, ça rejoint ce que disait Sergio Grez, ce qui est intéressant quand même, c'est que le grand reproche que les marxistes ont fait à la Commune, c'est précisément ce pourquoi on la trouve intéressante aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on disait de la Commune que c'était une des formes premières de dictature du prolétariat, mais sa faiblesse, c'est qu'elle n'était pas assez structurée en termes idéologiques et en termes d'organisation. Et aujourd'hui, c'est ce qu'un historien français a appelé le siècle des chefs. Hein, le 19e et le 20e siècle, c'est le siècle des chefs, qu'on soit dans les partis, qu'on soit dans les entreprises, qu'on soit au sein des mouvements ouvriers, on a besoin de figures de chefs. Bon. Ce siècle des chefs, qui est aussi lié à l'État-nation, etc., s'effondre à partir des années 1980 pour toute une série de raisons. Et on voit émerger d'autres attentes de rapports sociaux plus horizontaux. Et ce qui est intéressant, c'est que la Commune refait sens dans ce cadre-là, mais pour une toute autre raison que celle pour laquelle elle faisait sens dans les années 70, c'est précisément pour ce que vous dites, c'est-à-dire des formes de souveraineté populaire par le bas, de territorialisation qui échappe aux nouvelles formes de gouvernance mondiale et capitalistique. Et ce n'est pas pour rien que la Commune fait sens à des échelles qui sont un peu différentes de celles qu'on avait auparavant, c'est-à-dire l'échelle des quartiers. En France, on a eu le mouvement Nuit debout, mais pensez au mouvement Occupy, au mouvement des indignés, pour ne rien dire des immenses mouvements qu'il y a eu en Amérique latine que vous connaissez très bien. C'est-à-dire sur des échelles qui ne sont pas forcément celles d'une ville entière, de petits territoires, de réappropriation citoyenne. Et la Commune continue à faire sens dans ce cadre-là. Et c'est là que le mystère, ou en tout cas la force assez incroyable de la Commune de Paris, c'est cette faculté à faire sens au sein d'attentes politiques extrêmement variées et de continuer en quelque sorte à apporter un surcroît de signification. Parce que qu'est-ce qu'apporte la Commune dans ces mouvements-là quand on s'en réempare ? D'une part, un sentiment de proximité, c'est vrai, vous avez raison, hein, c'est des formes de types de démocratie qui ont certaines formes de proximité. D'autre part, une très grande profondeur historique, c'est-à-dire que la Commune arrive lestée de toutes les luttes sociales auxquelles elle a été associée depuis deux siècles. Et d'autre part, ça apporte, hein, une forme d'internationalité, c'est-à-dire que ça donne à votre mouvement social, qu'il soit au Chili, en France, à Paris, dans les ZAD, quelque chose de commun avec tous les autres mouvements sociaux qui vont s'en répertorier. Et c'est en ce sens-là que la Commune fait sens en termes de proximité des pratiques, mais aussi en termes de stratégie dans la façon de les mobiliser. Mais encore une fois, ce sens qu'on lui trouve aujourd'hui était considéré plutôt comme une faiblesse il y a 20 ans. Et si on poursuit le débat jusqu'au bout, c'est vrai que dans tous ces grands mouvements qu'on appelle les mouvements sans leader aujourd'hui, qui sont des mouvements très puissants, on a eu aussi ça en Algérie il n'y a pas longtemps, leur force, c'est qu'ils sont sans leader, et leur faiblesse, c'est qu'ils ne peuvent pas durer dans le temps par refus d'institutionnalisation, ce qui pour moi n'est pas forcément un problème. Mais en tout cas, c'est un vieux débat ici qui
qui est reportée, qui avait déjà eu lieu au moment de la Commune de Paris. ¿Me permiten un pequeño alcance, Margarita? Por supuesto, Sergio, estoy al micrófono. Ya. Sí, a propósito de lo que se acaba de decir, algo muy, muy breve. Quedé pensando en este antropólogo que citaba Cantán, cuando sostenía que estas formas democráticas no serían propias del espacio europeo del siglo XIX. Y me acordé de un libro que compré en los años 80 en París. Es un libro de difusión, una especie de vulgata histórica anarquista, escrito por un par de autores, no recuerdo su nombre. El título es muy sugerente, se llama Los orgasmos de la historia. ¿Ya? Es un libro de divulgación, no es un libro escrito por historiadores profesionales, incluso con ilustraciones, en base al planteamiento, por lo que recuerdo, de que hay una especie de pulsión latente, omnipresente en el ser humano, por lo tanto es un fenómeno antropológico, hacia la emancipación, hacia el ejercicio del poder de manera directa, sin intermediarios, de acuerdo con la concepción anarquista. Y los ejemplos que se dan, si bien están situados en su inmensa mayoría en la modernidad, entendiendo la modernidad un periodo anterior, muy anterior al siglo XIX, esto confirmaría la tesis de este antropólogo que tú acabas de mencionar, y es probable que en ello pueda radicar uno de los atractivos que la Comuna de París ejerció y sigue ejerciendo a esta gran variedad de actores, de sujetos y de movimientos. Y la Comuna de París, en este sentido, y de acuerdo con estos mismos actores, es efectivamente uno de los más grandes orgasmos de la historia en esta perspectiva emancipatoria. Hay una pregunta que está en francés, pues la voy a tratar de traducir. Dice, si hay en Chile, esto se debe ser para Sergio, algún ejemplo de un lugar que de alguna forma sea como la Comuna de París. Si hay algún antecedente histórico de algún movimiento, algún acontecimiento. Esta pregunta me permite extenderme un poco sobre algo que quería plantearle a Cantán. Y es que en el momento en que se produjo la Comuna de París, las reacciones en Chile, probablemente a diferencia de otros países de América Latina, por lo menos las reacciones que yo he detectado en la prensa y en la documentación de la época, fueron casi todas negativas, fueron casi todas críticas. No he logrado ubicar ningún actor social o político relevante que haya apoyado abiertamente la Comuna de París. No solo la prensa burguesa la condenó en términos muy, muy enérgicos, sino que también una gran variedad de actores sociales y políticos, incluso progresistas, liberales, liberales progresistas. Podríamos hablar también de una emergente corriente que yo denomino como liberal popular, asociada fundamentalmente al movimiento mutualista de la época, si bien no hubo condenas tan tajantes como las de la así llamada prensa burguesa, tampoco hubo defensores, por lo menos yo no los he detectado. De manera tal de que la Comuna de París, por lo que sabemos hasta ahora, no tuvo un eco, entre comillas, positivo en Chile en la década de 1870. Y lo que me parece más curioso y misterioso aún es que tampoco en la tradición
marxista, por lo menos posterior, con todas las variantes que ha tenido esta corriente en Chile, ha habido una reivindicación muy clara, muy fuerte, muy insistente, a diferencia de otros países, sobre este magno acontecimiento. Evidentemente, he leído desde la perspectiva marxista clásica, pero me parece que nunca constituyó un referente muy grande, muy importante en Chile. Y respecto de lo que plantean una de las personas que están asistiendo, no conozco ningún evento equivalente, ni siquiera lejano al de la Comuna de París. El término es polisémico, sí, por ahí hay una comuna de Puerto Natales, pero, a decir verdad, no es realmente algo que se parezca a la Comuna de París, es un levantamiento obrero que se produjo hace poco más de un siglo, en 1919, en el extremo sur del país, pero no guarda relación con este fenómeno. Me parece incluso que es hasta un abuso del lenguaje. Han habido, sí, tentativas de crear órganos de doble poder, de poder popular, germinales, como fue el caso de los cordones industriales o de otros organismos populares surgidos desde abajo durante la época de la Unidad Popular, el gobierno de Allende, pero realmente creo que no hay nada comparable con la Comuna de París, sobre todo por el hecho de que en Chile nunca ha existido realmente un doble poder, lo que significa, entre otros elementos, contar con la fuerza material, las armas, como para que éste pueda sostenerse. Cuestión que sí tenía la Comuna de París. Bueno, yo voy a tener el rol de agradecerle a Cantán de Lormoz y a Sergio Grés, historiadores, profesores en distintas universidades en París y en Chile, y agradecerles muy profundamente esta excelente conferencia y diálogo intercontinental e intergeneracional y atemporal en el tiempo, en el 151 años de la Comuna de París, porque ya no estamos en el 150 aniversario. Y dejarles invitados inmediatamente para la próxima, que será, ahí se me fue un poco la fecha, que es el 12 de abril, a la misma hora, en el mismo canal, sobre el comunalismo y el futuro de la Comuna de París, conferencia que será dictada por Pierre Sauvestrel, que a partir del concepto de gubernamentalité, que Cantán ha mencionado varias veces, que viene de el Michel Foucault, del gran Michel Foucault, ¿no es cierto? Esta idea que da mejor cuenta de los gobiernos actuales, los sistemas, la gubernamentalidad. Entonces los dejo invitados para la próxima conferencia, el 12 de abril. Muchas gracias al Instituto Francés en Chile, a la Embajada, a la Iniciativa Franco-Chilena que coorganizamos estas conferencias y que no hacen más que agrandar el conocimiento histórico que nos compete a todas las sociedades contemporáneas. Muchas gracias, Cantán, nuevamente, Sergio, Yuli y a todos. Merci beaucoup. Gracias, merci beaucoup. A bientôt, j'espère. Oui, pareillement. A bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.